Il y a deux types de masques. Il y a des masques chirurgicaux qui ne sont pas faits pour être portés par le grand public. Il y a ce qu'on appelle les masques grand public ou non médicaux qui sont développés dans le monde entier, que nous développons actuellement en Algérie. Monsieur le Premier ministre m'a chargé de coordonner un comité qui est multisectoriel, qui comporte à la fois l'industrie, la formation professionnelle, l'artisanat. Nous nous réunissons chaque jeudi avec l'ensemble des secrétaires généraux et nous mettons en place, nous développons la production, le circuit de distribution et l'accessibilité du masque grand public. Et je peux vous assurer que nous avons démarré de zéro, avec quelques dizaines de milliers. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 millions de masques produits par jour. Comment vous en avez en stock ? Les stocks, ils sont de partout maintenant. Si vous parlez des masques chirurgicaux, on a 25 millions. Mais si vous parlez des masques grand public, il y a près de 2 millions qui sont fabriqués chaque jour. Et avec des points focaux au niveau des wilayas, les wali font un travail formidable à ce niveau-là d'articulation, de coordination, avec les chambres d'artisanat, avec les PME, avec l'industrie et avec la santé.